Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 88 de Stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui à Train 2. Train 2 qui est un jeu en scroller horizontal, et qui est un jeu d'aventure, on va dire d'aventure de plateforme. Vous allez le voir, donc au graphisme très 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 beau. Alors, cliquez sur démarrer. Regardez, on peut déjà contrôler le perso avant même d'avoir commencé à jouer. On voit déjà les graphismes, c'est pas mal. Voilà, alors on va faire en mode un joueur et on va recommencer l'histoire. Il était une fois trois vaillants héros, choisis par un artefact magique connu sous le nom de Train. À l'issue de leur première rencontre, ils devinrent les champions de leur royaume. Je vais vous raconter leur dernière aventure. Le mystère et la magie avaient envahi la forêt. Le premier des trois héros s'appelait Amadeus. C'était un magicien. Peut-être pas le plus courageux, ni le plus puissant, mais il était intelligent et sensible. Puis, il y avait Pontus, le chevalier, intrépide protecteur du royaume, qui aimait manger, boire et combattre. Il y avait aussi Zoya, une voleuse. Une femme d'affaires. Zoya, une femme d'affaires. Elle était mystérieuse et se déplaçait comme une ombre par les nuits sans lune. Donc voilà, la présentation des trois personnages avec lesquels on va jouer tout au long de cette vidéo. On va jouer avec les trois, on va essayer de présenter les trois. Amadeus, le magicien, dormait dans sa chaumière. C'était là qu'il étudiait son sort de boule de feu, à l'abri des regards dédaigneux de sa femme. Oh, éteignez ça. Laissez-moi dormir. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Voilà, donc à partir de maintenant, on peut contrôler le personnage. Donc vous voyez, hop, on saute. Donc, alors on peut aussi tirer de la magie. Comme ça fait apparaître des cases. J'ai pas trop compris encore. On peut, hop, les déplacer. Donc là, j'utilise uniquement le clic-souris, hein. Donc on va avancer, hein. Vous C'est voyez, donc c'est un étrange. scroller horizontal, donc pour l'instant, il suffit d'avancer. Et on avance vers la droite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des trucs champignons. Alors là, il y a quelque chose en haut. Hop, il y a une bulle en bas, donc voilà. Ce qui me permet de monter pour l'instant. Pas bien compliqué. Hop, on monte. Oh là là, ça glisse. On est tombé sur un truc qui glisse. J'aimerais bien Un monter sur instant, les je vis champignons par la là. route, mais rien qui puisse arrêter le Là, c'est grand le magicien curseur. Amadeus. Allez. Ses pouvoirs magiques lui Allez. permettaient de soulever des objets. Non. Bon, bah, on va essayer de soulever le rocher. On va essayer de le mettre ici, là. Pour essayer de monter en haut. Hop là. Hop, je suis sur mon champignon, je suis content. Donc là, il y en a encore un truc. On va le faire tomber, hein. Puisqu'on peut bouger quasiment tous les objets comme ça. Voilà. Hop, il y en a encore un ici. On le fait tomber. Donc on peut tirer un peu sur n'importe quoi, c'est plutôt Amadeus pratique. pouvait Hop aussi faire là. apparaître des boîtes. Donc les boîtes. Donc là, ils viennent de nous le dire, donc on va faire apparaître une boîte. Hop là. Elle est pas bien grosse ma boîte. Ouais. Elle va pas suffire. On va faire apparaître une plus grosse boîte. Il faut faire un diamètre plus grand. Non, toujours pas. Ou c'est moi qui saute mal. Voilà. C'est bon. Ah bah tiens, il y a un truc en haut. Allez. Descendre là. Hop. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y en a encore un. Comment je peux l'atteindre, ce truc? La lumière Est-ce se qu'il faut que je déplaçait fasse à une travers boîte? la forêt, entraînant Amadeus toujours plus Ah loin. d'accord, je peux faire qu'une seule boîte à la Tiraillé fois. entre la peur et la curiosité, il la Sauf que là, ça me suivait. suffit pas. Il me faut une plus grosse boîte que ça. Hop là. Elle est un peu plus grosse. Est-ce que ça va suffire? Oui, presque. Allez, faisons une très grosse boîte, on va essayer. Ouais, elle est pas forcément plus grosse. Voilà. On l'a eu quand même. Attention, donc ça c'est un gros rondin de bois.
Ça je me dis, voilà. Il faut que je saute dessus. Hop. Allez, allez, allez. Hop, on saute sur le champignon. Alors là, il y en a encore une là-haut. Comment on fait? On va essayer de se soulever avec. Voilà. Hop. Il y avait quelque chose là derrière. Je sais pas. Il y a eu des petites étincelles. Je voudrais savoir ce qui se passe. Le troll. Amadeus, rassemblez vos affaires, nous devons sauver le royaume. Quoi? C'est impossible, Pontius. J'ai des enfants qui m'attendent. Je ne peux pas partir comme ça. Mais le royaume a besoin de vos pouvoirs magiques. Oh, ce cauchemar ne finira donc jamais. Au fond de lui, Amadeus savait que le royaume avait à nouveau besoin des héros. Comment êtes-vous arrivé ici? Je vais vous raconter. Ce soir-là, Pontius était allé aider des paysans dans leur ferme. Des plantes rampantes envahissaient leurs champs. Hop, donc ça y est, nous nous revoilà avec Pontius. Et comme vous avez compris, alors lui, il a une épée et un bouclier. Donc il n'est pas magicien, hein. Tout ce qu'il peut faire, c'est sauter, taper ou se défendre. Donc on va pas aller chercher loin. On tape, on tape, on tape. Je mange bien de la tarte à la citrouille, ce soir. Alors là, on peut sauter plus haut en sautant en même temps que le bon. Voilà. On récupère ça. Yop, il y en a un ici. Hop, raté. On va essayer de le récupérer. Ça serait pas mal. Allez, voilà. Pontius fouille à la ferme sans y trouver personne. Ouais, donc là, en même temps qu'on joue, il nous raconte l'histoire. Pontius fouille à la ferme sans y trouver personne. Là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a une plante qui retient là-haut. Est-ce que je peux la taper? Allez. Allez, super plante, ça y est, je l'ai touché. Donc ça relance la roue. Et que comme ça que je peux passer. Hop là, oula, on descend, on tombe. Donc on continue, qu'est-ce que je peux faire là? Changer molette de la souris. Ah d'accord, on a aussi un marteau. Ça a l'air dangereux. Donc on avait un marteau, ça il faut aller vite, hein, ça va très très vite. Donc là il y a des plantes un peu partout. Regardez, les plantes qui me courent après. Il vaut mieux pas trop que je m'arrête. Donc là, allez, une petite fiole. Je sais pas à quoi ça sert, ça. On en récupère partout. Je sais pas trop à quoi ça sert. Donc là, je suis bloqué. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, il y a des plantes de partout maintenant. Je peux plus en sortir. Ouais. Il y a rien à faire. Rien du tout. Je me fais attaquer par les plantes. Ah, voilà. Le train! Pontius n'avait jamais vraiment compris à quoi servait le trail, mais il savait que l'artefact était là pour faire le bien. Pontius était ravi. Il ne pouvait rêver mieux que de sauver son royaume. Tard ce soir-là, Zoya était tapie dans l'ombre, à l'abri des rayons de la lune. Donc maintenant, on a Zora la voleuse. Oula. Comment disait la marchande tout à l'heure. Et donc elle tire des flèches et elle lance des petits grappins en mode Batman. Hop là. Alors, oula, j'ai raté le caillou. Donc voilà, il faut récupérer les petites fioles qui sont là au-dessus. Est-ce que je peux me balancer? Ça coule de source, hein, tout coule de source en jeu. Hein. Franchement, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Hop là, qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Hop. Alors là, je m'accroche ici pour sauter. Zoya traversa la ville aussi silencieusement qu'un murmure. Alors très silencieuse, comme ils disent. Hop là, on saute là. Hop, on remonte. Là. Est-ce qu'il faut que... Ah, ça y est, je récupère cela. Est-ce qu'il faut que je continue là? Ah non. Où suis-je? Ah mais d'accord, je suis là. J'étais perdu. Donc je suis redescendu un peu par terre. Je peux pas remonter directement depuis ici. Voilà. Non. Non, je peux pas. Bon, on va recommencer là ici. Hop là, on retourne. On saute. Hop là, on continue. Hop là, ça y est. Heureusement qu'il y avait du foin en dessous comme par hasard. Zora la voleuse. Elle vit alors une lumière.
manière intense faire le tour du clocher de l'église. D'accord, donc bah là on va se rendre au-dessus du clocher de l'église. De toute façon, on n'a pas tellement d'endroits où aller. On continue là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, hop, on va remonter sur la plateforme. Ah merde, j'ai une fiole là. Essayer de récupérer la fiole aussi. Voilà. Et cette fois-ci, de monter sur la plateforme. Yop, voilà. Donc on continue. Encore une plateforme en haut là-haut. Hop. C'est une très grande ville apparemment. Les graphismes, ils sont magnifiques. Hein. Enfin, vous voyez, c'est beau. Et puis c'est super fluide, quoi. C'est pas lourd. C'est beau, c'est pas lourd. Ça fait surtout fantasy. Hein. C'est pas très très réaliste non plus, mais c'est beau à voir. Voilà. Le clocher de l'église, il est là. Et voilà. Le train, ça ne m'arrange pas. Que faites-vous ici au beau milieu de la nuit? Vous n'allez pas recommencer à voler? J'ai une très bonne explication. Dites-moi, où allons-nous? Nous l'ignorons encore. Il se passe quelque chose d'étrange. Une nouvelle aventure. On y va? Le train était venu chercher les héros. L'aventure pouvait commencer. Amadeus s'inquiétait pour sa famille, tandis que Pontius était impatient de se lancer dans leur nouvelle quête. Zoya, quant à elle, pensait au fabuleux trésor qu'ils allaient peut-être découvrir. Ah, donc on appuie sur démarrer, mais juste pour vous montrer vite fait le début, on va pas faire le niveau. Donc là vous voyez les trois persos en haut, on peut switcher entre les personnages. Donc on connaît leurs caractéristiques. On peut toujours sauter. Et c'est le début du niveau, mais ce sera tout pour Train 2. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.